Salut les tarophiles, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une petite vidéo très très rapide. Je me trouve actuellement, on voit pas grand chose parce que c'est la nuit, je me trouve actuellement à Chiang Rai en Thaïlande et je pars demain pour Bangkok et je me suis dit tiens profitons d'un petit moment de tranquillité. Je sais pas si vous entendez les petits bruits de la nature, c'est assez sympa, pour vous donner quelques nouvelles du front concernant particulièrement les dates importantes qui arrivent pour cette nouvelle année puisque nous sommes ça y est en 2019, yeah, bonne année, profitez bien. Voilà, vous donner quelques informations concernant la formation de tarologue et puis concernant les ateliers, parce que j'avais proposé l'année dernière quelques petits ateliers. Et puis pour parler également de l'oracle des origines. Alors je vais commencer par l'oracle des origines, ça va aller plus vite. J'ai eu beaucoup de demandes de gens qui voulaient se procurer un exemplaire. Malheureusement, ils étaient un peu tous partis et plus rapidement que je pensais. Je suis très très content, mais du coup, j'ai recommandé à nouveau 50 exemplaires. Donc je possède 50 exemplaires, enfin 49 maintenant, parce qu'il y en a déjà un qui était réservé, donc qui est déjà parti. Donc j'ai 49 exemplaires à vous proposer. Pour l'instant, la mise en vente n'est pas encore faite. Elle sera effective à partir de mon retour à Paris. Donc je rentre le 9, je serai le 9 à Paris, 9 janvier, donc dans quelques jours. À partir de là, je pourrai réouvrir les ventes et pouvoir faire les envois directement. Donc ça c'est une chose, voilà, de fait, donc 49 exemplaires. Il y a le livre également qui est sorti au format papier disponible sur Amazon. Je suis très content parce que j'ai eu d'excellents retours, les gens sont ravis. J'avais hâte vraiment que ce bouquin soit dispo, donc c'est chose faite. Et je voulais vous parler du coup, avant d'aborder la formation complète, je voulais vous parler également des petits ateliers. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au cours de 2017 et 2018, j'avais proposé deux demi-journées d'ateliers symbolisme et intuition, comment on interprète les cartes avec notre feeling et comment on interprète les cartes avec notre analyse pertinente et factuelle. Et ça avait plutôt bien plu et j'avais eu pas mal des gens qui sont aujourd'hui inscrits pour la formation complète, en fait, était venu aux ateliers et je me suis dit tiens, c'est intéressant de pouvoir faire des petits ateliers comme ça parce que ça donne une espèce d'aperçu de la formation complète. Donc je trouve que c'est intéressant de pouvoir le proposer à nouveau. Donc je vous propose des nouveaux ateliers là en ce tout début d'année. Et en fait, je ne peux pas aborder ces ateliers sans aborder un autre sujet qui est celui des lieux de formation où je donne ces cours. Jusqu'à présent, je donnais les cours à Paris, puis après, Marseille est arrivé. Et c'est le moment de proposer une troisième localisation, un troisième lieu. Et donc, à partir de cette année 2019, à partir de septembre 2019, la formation de tarologie intégrale se retrouvera sur Paris, sur Marseille et sur Bordeaux. Je débarque dans cette jolie ville. Je dois dire que ce n'est pas entièrement dénué d'intérêt. Déjà parce qu'au sondage, vous avez répondu majoritairement à Marseille, puis ensuite à Bordeaux. Et ensuite, parce que mon frère se trouve là-bas, donc je trouve que c'est intéressant de pouvoir avoir et la famille en même temps de travailler. Donc, en faisant une pierre de coups, allions l'utile à l'agréable. Et donc, du coup, je vous parle des ateliers puisque je propose des ateliers également, donc à Paris, Marseille et Bordeaux. Donc il y aura un petit atelier de deux jours intuition et symbolisme, donc en fait deux demi-journées à chaque fois, qui se tiendra donc à Bordeaux le 23 et 24 février. 23 et 24 février, l'atelier intuition et symbolisme. Ce même atelier se reproduira le 2 et 3 mars à Marseille et le 23 et 24 mars à Paris. Donc voilà, donc je redonne, hein, fin février, 23-24 février à Bordeaux, 2 et 3 mars à Marseille et 23 et 24 mars à Paris. Mais vous retrouverez toutes les dates en dessous dans la description, ainsi que sur le site internet, évidemment. Et donc du coup, bah oui, évidemment, la nouvelle, c'est que la formation de tarologie intégrale débarque à Bordeaux également à partir de la rentrée, c'est-à-dire à partir de septembre 2019. Et là, la règle est assez facile. Il y a un week-end à Paris, un week-end à Marseille, un week-end à Bordeaux. À chaque fois, les trois se suivent. Donc, on va se retrouver sur le mois de septembre. Le mois de septembre, on commence le premier atelier, le premier séminaire. Donc, septembre, séminaire 1, le 7 et 8 septembre à Paris, le 14 et 15 à Marseille, le 21-22 à Bordeaux. Ensuite, le mois suivant, c'est octobre. Octobre, donc le séminaire 2 se tiendra le 5 et 6 à Paris, le 12 et 13 à Marseille et le 19-20 à Bordeaux. Pour le mois de novembre, avec le séminaire 3, on se retrouvera à Paris pour le 2 et 3 novembre, le 9 et 10 novembre pour Marseille et le 16-17 novembre à Bordeaux. Pour celui de décembre, je l'ai un petit peu anticipé pour pouvoir laisser la place libre pour les vacances. Donc le premier séminaire se tiendra le 30 novembre et 1er décembre
à Paris, le 7 et 8 décembre à Marseille et le 14 et 15 décembre à Bordeaux. Pour la rentrée, on se retrouve assez tôt pour les Parisiens, désolé, mais on se retrouve le 4, 4 et 5 janvier 2020, ça paraît loin, 2020, le 4 et 5, pour le séminaire numéro 5, le 11 et 12 janvier à Marseille et le 18-19 janvier à Bordeaux. Le séminaire numéro 6 se tiendra le 1er et 2 février à Paris, le 8 et 9 février à Marseille, le 15 et 16 février à Bordeaux. Pour le séminaire numéro 7, c'est au mois de mars, le 7 et 8 à Paris, 14 et 15 à Marseille, 21 et 22 à Bordeaux. Pour le séminaire numéro 8, donc en avril 2020, ce sera les 4-5 à Paris, les 11-12 à Marseille et les 18-19 à Bordeaux. Le séminaire 9 à Paris se fera le 2 et 3 mai, à Marseille le 9 et 10 mai et à Bordeaux le 16 et 17 mai. Pour le dernier séminaire, le séminaire numéro 10, alors pour ceux qui sont déjà inscrits, vous le savez, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, peut-être vous ne le savez pas, je ne sais pas encore si ce séminaire numéro 10, qui est la supervision, se tiendra sur 2 ou 3 jours. Ça dépendra de la rapidité avec laquelle nous avancerons au cours de la formation. En tout cas, toujours est-il que ça se tiendra les 6 et 7 et peut-être 8 juin à Paris, les 13, 14 et peut-être 15 juin à Marseille, et pour Bordeaux, ça sera les 20 et 21 et peut-être 22. Voilà pour les dates. En tout cas, je suis très content parce que là, je rentre le 9 et je retrouve toute la bande parisienne, toute la petite clique de Paris, les 7-8 personnes qui sont inscrites à Paris, se retrouvent. Là, je vais les retrouver les 12-13 janvier pour le séminaire numéro 5. Et c'est une formation assez riche et assez intense. Donc, je suis très, très content parce qu'il se passe plein de belles choses. Et puis, le 19-20, je retrouve les Marseillais. Et en fait, à partir de ce mois-ci, je fais venir des cobayes, c'est-à-dire certains d'entre vous qui souhaiteraient venir pour faire, on va dire, les entre guillemets, les clients. Si vous voyez des formes passer derrière moi, c'est normal. Il y a des lucioles qui se baladent et en même temps des chauves-souris des fois frôlent, donc des fois j'ai le cheveu au vent. Ne t'inquiète pas, c'est normal, tout va bien. Et donc oui, je commence à faire venir des cobayes de l'extérieur, donc il est possible qu'à partir du mois de janvier, je fasse appel à certains d'entre vous, pour ceux qui se sont inscrits sur le site, parce que certaines personnes se sont inscrites pour faire les cobayes. Et puis peut-être que je vais relancer également les formulaires, parce que j'ai déjà pas mal de monde d'inscrits, mais on va voir certainement pour à partir de février, parce que pour janvier, normalement, je devrais avoir toutes les personnes pour janvier, mais en tout cas, à partir de février, je devrais faire venir certainement des nouveaux cobayes. Donc vous retrouverez le lien également pour s'inscrire en tant que cobaye dans la description de la vidéo, donc juste en dessous de la vidéo, hein, si vous êtes sur YouTube, évidemment. Et puis voilà, en tout cas, toutes les nouvelles, donc tarot, formation intégrale, les ateliers et l'oracle des origines qui débarquent bientôt. Et puis j'espère en tout cas vous croiser prochainement pour certaines de ces formations. Et puis à voir si vous avez quelques propositions d'ateliers, si vous avez des endroits où vous aimeriez que les ateliers viennent, n'hésitez pas à le mentionner. Si vous avez par exemple 6 entre 6 et 8 dépendamment de l'endroit où ça se trouve, mais si vous avez entre 6 et 8 personnes qui seraient intéressées de participer à ces ateliers, dans ce cas-là, je me déplace évidemment avec grande joie. Donc voilà, les inscriptions en ligne, pareil pour la formation intégrale, vont se faire là dès que je rentre, dans quelques jours, attendons encore un tout petit peu. Je n'ouvre pas tout de suite les inscriptions, mais en tout cas, elles seront disponibles là dans quelques jours, incessamment sous peu, que ce soit pour les ateliers ou que ce soit pour la formation intégrale. Et évidemment, le descriptif de la formation intégrale se trouve déjà évidemment sur le site internet, donc n'hésitez pas à vous y rendre pour voir un petit peu ce qui est proposé au cours de ces 10 week-ends de formation. Aussi, grande nouvelle, ce n'est pas encore entièrement confirmé à 200%. En tout cas, je ne sais pas comment précisément ça va se dérouler, mais il est possible, c'est pas improbable, que à partir de la formation de 2019-2020, certains des tarologues qui ont été formés avec moi au cours de cette année 2018-2019, il est possible que certains d'entre eux interviennent au cours de certains séminaires. Alors certainement pas en entier, pas un séminaire certainement intégral, mais pour venir sur une demi-journée ou une journée, pour également proposer, pour enseigner, pour transmettre ce qu'ils connaissent, parce que c'est évidemment ce que je proposais, c'est-à-dire que les personnes qui ont été formées avec moi évidemment puissent apparaître une fois certifiées, puissent apparaître sur le site en tant que tarologue certifié, mais également qu'ils puissent également prendre le relais
de venir enseigner certains éléments à ma place, puisque je commence à faire cette intégration des nouveaux professeurs, simplement parce que voilà, je ne suis pas ici en Thaïlande par hasard. L'objectif pour moi, c'est de partir, c'est de pouvoir décoller ailleurs. Et donc, évidemment, cette formation-là, pour l'instant, je la propose intégralement proposée par moi. Mais à partir de l'année prochaine, je vais peut-être intégrer des petites demi-journées où il y aura certains des anciens élèves qui viendront enseigner et qui viendront également apporter des éléments que moi, je n'aurai pas. C'est-à-dire que pour l'instant, dans la formation, nous avons des spécialistes de la CNV, de la maïeutésie, pardon, pas la maïeutésie, de l'IFS, des gens qui ont des outils en communication ou en hypnose qu'ils vont pouvoir apporter pour enrichir la formation. Et donc en gros l'objectif c'est ça, c'est pouvoir faire une équipe complètement éclectique, dont le noyau du programme reste évidemment toujours le même, mais où chacun pourra apporter une petite pierre à son édifice et pourra continuer à compléter la formation. Donc voilà, l'objectif c'est tout ça. Et donc on se retrouve évidemment à partir de septembre prochain. Non, pardon, je vous dis des bêtises, à partir du coup de fin février à Bordeaux pour les ateliers, et puis à partir de mars pour les ateliers parisiens et marseillais. Et puis bah, pour les autres, pour ceux qui souhaitent s'inscrire, évidemment, on se retrouve au mois de septembre. Et puis bah, moi, je rentre très bientôt, donc je serai présent pour les oracles et pour les consultations. Alors du coup, je vous embrasse, je vous fais des gros, gros, gros bisous, et puis j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse bien tendrement, je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos, et puis bah, en attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. À bientôt!